Ouais, donc en fait, pour revenir au sujet que j'ai abordé la semaine dernière et enfin pendant les deux dernières séances, pour le live 24h, j'ai envie de commander une webcam là. Là, j'ai regardé pour une webcam et tout, ça pourrait être sympa à tester. Et après, bon, on verra ce que ça donne hein, pendant cette semaine de full live. Donc à la base, je vais faire deux soirées pendant ce truc-là, sauf que c'est un doigt dans mon cul. Tac. Début. Bah attends, mais si, il apparaît là. Normalement, il apparaît pour vous, hein. Il apparaît, c'est bon. Comment c'est le jeu? Attends, Et ça m'a pas sauvegardé. Nani. Bon, voilà, une petite heure de Hollow Knight pour votre plus grand plaisir. Alors, par contre, niveau histoire, pour l'instant, dans Hollow Knight, on est un petit peu paumé. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un truc qui s'est réveillé. On arrive, nous, on arrive pour faire des choses. D'ailleurs, je sais même pas ce qu'on doit faire vraiment au final. Oui, d'ailleurs, attends, je vais peut-être réduire un peu le son du jeu. Tac. Ouais, donc nous, on arrive en mode pompédope, tout ça. On nous apprend que sous la ville dans laquelle on est arrivé, il y avait une immense cité et tout, où tout était chouette, tout était bien, florissant, tout ça. Sauf qu'un jour, c'est parti en couille. Et depuis, chaque personne qui y va devient complètement fou. Voilà. C'est vrai que cette histoire-là, enfin, ce jeu me fait un peu penser au Dark Souls niveau histoire. Parce que tu sais pas ce que tu fais en fait. Je peux faire ça. Ouais, pour l'instant, on peut pas trop nager. Je vois si on peut faire des dashs sur les côtés, mais en fait, on est obligé de choisir la direction du dash. Ouais, j'ai l'impression que le jeu est quand même pas mal fort. Hein. Ah, ou peut-être que changer les trucs du chat. Enfin, Je me comprends, de Twitch. On se balade dans la pampa, tout ça, voilà. Parce que imagine nature quand tu nous tiens. Ouais, augmenter juste un peu. Ah, c'est bizarre. Le son, j'arrive pas trop à le régler. Normalement, ça a l'air d'être plutôt bon. Dans ça, le réglage à faire. Tiens. On va mettre ça à ce niveau-là, comme ça pourra peut-être le faire. Toto! Attends, j'ai oublié que les sauts. Par contre, ouais. C'est pas ça, c'est ça pour la carte. On allait sur le côté, ça servait à rien. Là, on va au-dessus. Normalement, au-dessus, on y est déjà allé. Là, c'est là où on a combattu le boss. Et le doigt dans mon cul. Ok. Oula. Je pense qu'on va revenir en ville histoire de pouvoir acheter de quoi faire une carte nous-mêmes. Ah ouais. Putain, donc Abrutix. Ça c'est pour se régénérer, c'est bon, on a toutes les touches. Non mais, calmez-vous monsieur. Non, c'est pas ici. Ouais. Comment ça se passe ici? Je me demande s'il y a des trucs qui augmenteront. Là, selon la délivrée, un certain Billy Bob. Je me demande si ouais, on aura des trucs pour augmenter nos dégâts d'armes de base. Parce que si c'est pour à chaque fois donner deux coups à ces petites bestioles là, ça va un peu chier quoi. Ni. Ni. On va au saloperie. Putting. Ni. Ni. Faut vraiment que je me retrouve, faut vraiment que je fasse ce truc de la map quoi. Là il y a quelque chose. J'ai pas
pas pourquoi j'ai fait ça, mais je le fais. En fait, j'ai complètement pas le choix en fait. Aïe. Tiens, nique la police. Ni. Je sais pas si je suis déjà allé par là en fait. Oh! Oh fuck, oh fuck! Le pouvoir c'est comment déjà? Ah oui. Merde. Mais il est pas mort? Voilà, un de moins. Mais... Putain. Vas-y, on va mettre des copains. Un petit peu. Spam. Oula, non. Non mais. Pff. Mais. Bon, bordel. J'ai du mal là par contre. Qu'est-ce que c'est que ça? La carapace de Baldur. On dit rien? Blason de la ville. Ah, c'est un charme. Tac. Une pour les chamans, pour les pionniers. Ouais, ça c'est normal. Les carapaces des pins de Stryghim, ça va détruire, ça va beaucoup de dégâts. Merde. C'est pas trop voulu ça. Maintenant, concentration un petit peu. Où est-ce que ça mène ça? D'accord. J'ai vu de la lumière, je me suis dit, tiens, ouais, c'est un petit chemin quoi. Mais en fait, non. Oh, oh putain, un peu de PV. J'ai l'impression que je fais un petit peu avoir parce que bon, en fait il n'y a pas d'autre chemin sur le côté, merde. Ouais, je suis fait un petit peu complètement avoir. Mais ouais, vas-y, on a des souffres-douleurs. On se régène un petit peu parce que sinon on va mourir comme un vieux caca. Eh hey, monsieur, vous me passez votre âme. Oh, ça fait du bien. Voilà, full vie. On continue. Pendant qu'il y a des moustiques qui font un bruit de cochon. Ça, personne ne l'a souligné, hein, mais... Faut se l'admettre, hein. Ils font des bruits de cochon. Par contre, où est-ce que je vais, là? Ah oui, il y avait un truc que je pouvais pas... Putain, c'est un papillon, c'est bon. Non, ça j'ai... Ouais, ça, je pense l'avoir déjà vu.
je me concentrais un minimum au lieu de bourrer comme un bourrin. Au moins là, j'ai, pour dire que j'ai pas perdu de vie, c'est, j'ai juste pas utilisé, enfin j'ai juste pas d'âme, c'est tout. Pas d'âme. Oh, petit chemin, non, petit chemin qui sent la rose. Non, y a rien. Me dis pas que je fais tout le tour. Me dis pas que tout ce que j'ai fait, ça servit juste à ça. Si, si, ça servit juste à ça. Au moins le monsieur il repop pas. Ah! Attention, attention. Non, j'étais touché, laissez-moi! Aïe! Je te permets pas le jeu de me cracher dessus. Oh! Je crois que c'est par là la... Non ? Non ? C'est bon. Putain, j'ai oublié ceux-là qui te fonçaient dessus. Non ! Ni. On va complètement revenir en ville, là il faut, parce qu'on va continuellement se paumer. On aurait dû faire ça dès le début en fait. Ouais, j'espère que la ville c'est par ici parce que... Ah mais du coup... Attends... Non, ça c'est pour un banc... Parce que j'en souviens, il y avait à un certain endroit, il y a la madame qui nous regardait de haut en mode « Ah ah ah, tu ne pourras pas venir jusqu'ici !» Alors que maintenant, ça se trouve, on a peut-être la capacité. Et je crois qu'on arrive à cet endroit-là en plus. Ah pouf! Non! Bon, TX. Faut que j'évite d'avancer. Faut que j'évite d'avancer en frappant. Du poignon! Pas ici le chemin. C'est bon. C'est quand que j'arrive Oh putain, il n'y a pas le double saut. Allez, par contre, ça va être mort là comme endroit. Ah non, la musique. Je ne savais pas qu'il y avait une petite musique comme ça de fond. Ah non, c'est vrai que du coup il y a un chemin par ici, mais on peut pas encore y aller pour l'instant. Nous avons pas The Carlitad. Voilà. Oh, t'étais là, toi? Serem. Être pâle, tu portes cet aiguillon avec tant d'aisance. Si tu es à la recherche de combat, tu ne trouveras pas de grand guerrier dans ce terrier pourrissant. J'entends dire qu'une arène construite pour ceux que nous, comme nous, existe quelque part plus bas. Rejoins-moi là-bas et nous testerons tes compétences. Je vais bientôt partir. Viens me chercher si tu l'oses, Kakarotte. Allô, Nest. Quel concurrent attend dans ces ruines? Je ne sais pas qu'il y a une voix. Oh, le petit Billy que j'ai sauvé. Toi là-bas, pourquoi te trouves-tu ici dans l'ombre? En effet, tes yeux ne te trahissent pas, capitaine. Je suis Zot le redoutable, chevalier de grande renommée. Trempe devant moi. Tandis que tu te cachais ici dans ton petit village, je me suis aventuré dans la fosse obscure en dessous de nous, et j'ai tué une bête immense. Elle avait des mandibules acérées et des manières atroces. Oui, oui, toute la gloire me revient. Mais je n'ai pas le temps pour ton adulation. Je dois me reposer et me préparer pour mon prochain voyage en bas.
Ce vieux fou là-bas, il ne cesse de raconter des bêtises. Il semble croire que l'air est mortel dans les cavernes. Peut-être qu'il aurait simplement envisagé de ne pas respirer. Il parle tout le temps de rêves aussi. Pouah. Les rêves sont uniquement pour ceux qui sont trop faibles pour vraiment vivre leur vie. Oh, c'est joliment dit, ça. C'est triste, c'est méchant, mais c'est joliment dit. Ouais, tac, tac, tac. Ok. J'ai une capacité incroyable à savoir quand est-ce que c'est la fin de la dernière phrase. Parce que vous voyez, j'ai pas lu du tout la dernière phrase. Oh, la carte. Ah, pas pour nada. Vous êtes venu acheter une carte, n'est-ce pas? Normalement, c'est avec mon mari que vous devez traiter. Mais quelle surprise, il est encore dans les ruines. Il revient de temps en temps pour me donner des nouvelles cartes à vendre. Mais je voudrais qu'il passe plus de temps ici. Tenir une boutique ne m'intéresse pas beaucoup. Vous pourriez parfois venir me voir avec mon mari? Pendant que Choupi me regarde bizarrement. Ferme la porte, toi. Nous aurons de nouvelles cartes en stock de temps à autre. Oui, on m'attend ce qu'il me reste à vendre. Allez, vas-y. Ferme la porte. Boussole murmurante, tu seras sur le compte des figures trouver ton chemin dans ce labyrinthe de ruines juste en dessous de Ndou. Oui, non, c'est un charme. Ah, quoique non, c'est un charme, une place. Donc théoriquement... Oh, épingle de marchand usine. Ok. Attends, du coup, taxi, tu auras besoin de pouvoir ajouter une nouvelle région que tu exportes sur ta carte. Cette prime est installée pour toute personne qui désire investir. Bah, du coup, ça, on en aura grave besoin, j'imagine. Par contre, j'espère qu'on n'aura pas à faire automatiquement quelque chose. C'est très. Ça le fait automatiquement? Attends, j'ai envie de voir ça. Apparemment, ça le fait automatiquement, c'est cool. Pas pour nada. Pas pour nada. Ces marqueurs sont nouveaux à ajouter. Vous pouvez vous en servir pour marquer différents endroits. Ok, donc ça, c'est juste pour moi en fait. Ok. Des sources chaudes du royaume, je les ai pas encore visitées. C'est intéressant. Ça, du coup, c'est marchand. Cocon bleu, c'est pas les trucs que j'ai tabassé depuis le début, les trucs bleus brillants là. Pour le moment, il va peut-être durement gagner. Attends, mais du coup, c'est. Vous pouvez vous en servir pour marquer des endroits différents sur la carte. Ouais. Au revoir, madame. Merci pour tout. Ça, c'est le vieux du début. Putain, du coup, tac. Carte mise à jour. Merci. Non, mais. C'est quelle touche déjà pour faire apparaître le truc? C'est ça. Voilà. Par contre, on n'a pas du tout allé par ici en fait. Une porte en pierre avec une serrure simple. Ok. Ok. Bloqué. Ni. Attention. Ah, ça c'est chouette, enfin. Et du coup, ça marquait tout ce que j'explorais. Apparemment, oui, vers chemin. Ok, donc vers chemin, c'est là où on était tout à l'heure. Merde. Pas ni clair pour Alès. On va essayer d'explorer les autres parties de la map. Donc, à la prochaine intersection, veuillez descendre. Parce que les cartes où tu dois supposer ou. Enfin savoir où tu es là, non merci quoi. Au bout d'un moment. Oh, est-ce que tu peux te servir des pics comme arme? Voilà, on va devoir descendre. Et normalement il y a un chemin sur le côté. J'ai jamais fait un chemin sur le côté? Ouh, ça a l'air d'être un niveau à part entière ça. Salut mon ami. Oh, attends.
carreau, enterre le chevalier avec son aiguillon brisé, enterre le prêtre. Quelque chose d'une couronne? Je n'arrive pas à me souvenir des restes des paroles. J'ai juste la fredonnée alors. Oh, rebonjour. Tu cours toujours? Pourquoi tu ne me rejoins-tu pas ici? Il a beaucoup de richesses dans ses roches pour tous ceux qui sont prêts à se mettre au travail. Ces cristaux là-bas valent beaucoup de géos. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de bien plus précieux caché un peu plus profondément. Je veux presque en sentir l'odeur. Tu peux toujours l'avoir si tu veux. Il y a assez pour nous deux. Mais si tu n'as pas envie de creuser, tu peux toujours t'asseoir et chanter avec moi. Ok. Ouais. Alors, à moins qu'il y ait un objet prévu pour creuser, je pense qu'on va plus servir à rien qu'autre chose. Oh! Attends, excuse-moi. Oui, donc c'est pour avoir de l'âme. Ça, de l'âme, j'en ai un petit peu suffisamment. Ah, je suis content. Pour le truc d'Airstone, ça a donné un peu plus de challenge, même si c'est pas forcément le truc le plus... Ok, je pense que plus tard, on va avoir une sorte de capacité pour qu'il permette d'attaquer sur le côté, donc vers le bas. Donc voilà. On aura de quoi s'amuser. Pour l'instant, c'est un grand doigt dans mon cul. Au moins, je sais où je vais maintenant. Enfin, où je suis. Après, où je vais, ça. Donc, prochaine étape, tout en bas. Ah, bah non, étage en dessous. Nya, j'ai pas du tout activé ça la dernière fois. Donc, c'est comment on fait pour y aller? Oh, j'ai l'air de taper tout le chemin. Oh là là, la longueur. Ah tiens, ils peuvent se suicider, c'est cool ça. Ouais, je vais pas perdre mon temps à tous les taper non plus. Hein. Oh, y'a Théodule, ouais. Merde. Voilà. Coucou. Voilà, voilà. Donc maintenant que vous êtes ici, veuillez descendre. Attends, comment j'ai fait pour... Ok, quand t'appuies deux fois, ça te fait méga giga map. Trop cool. Zoom arrière B. Zoom avant. Ah, ok. Ah, et là? Ok, d'accord, c'est du caca. Alors, au-dessus, c'est un marchand, ouais. Bah, au-dessus, c'est pas le... Non, au-dessus, c'est pas le chaman. Source chaude. Connard de jeu. Tant pis pour ça. Donc là, il y avait Jackie. Ok, donc normalement là il y aura le boss, enfin l'ancienne salle du boss. Ok, j'ai cordialement pété sa gueule. Mais jure. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Par contre, ouais, quand tu regardes la carte, t'es pas du tout en pause, donc ça peut être très souvent. Aïe. Oh. Merde, j'ai pas vu qu'il donnait deux points de... qu'il enlevait 2 PV par 2 PV. Abruti, je suis obligé de tout recommencer. Moi qui ai voulu faire le kéké, fait chier.
quel abruti. Nye. Voilà. Oh, c'était pas fameux ce que j'ai fait là. Hein. Attends, j'ai voulu faire cliquer. Le problème c'est que du coup, je sais... ouais, faut que je trouve comment, comment bien me démerder face à ces ennemis là. Comment je peux les enchaîner de coups parce que... Ok. Petit très gêne. J'ai failli encore prendre des dégâts. Oula, bonjour. Voilà, si je prends tout mon temps, ça passe bien. Par contre, il y a mon double là qui fait... Ta-da. J'ai bien le principe de tu dois tabasser ton ombre quoi. Dark Souls, c'est facile à côté. Ok, donc là, on monte tout en haut. Voilà, et normalement, bah, le dépassage de dessus, c'est bon. Je pense qu'il faut récupérer un objet. Je pense qu'en fait je suis déjà allé par là. Oh. Tibini. Salut toi. Presque easy. J'aurais pu lire ce qu'il disait le panneau. Aïe. Ça va être difficile. Est-ce que ça vaut vraiment... Non, ça vaut pas vraiment le coup. Laissez-moi Régène. Oula, 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 oula. Non. T'es méchant, toi? Merde greuse. Bébé? La musique elle vient. Vous voyez Michael Bay Explosing. Moi ça va. Oh oh. Ce n'est pas infini. C'est bon. C'est bon. C'était sympa comme petit combat. Quatre mises à jour, ok. Donc, maintenant. Très bien, faut que j'aille au truc pour enlever la carte. J'avais totalement oublié qu'il y avait 4 mises à jour. Alors. Oh putain. Oh bonjour. Oh, tu m'as surprise. Bonjour, bonjour. Entre mon petit cœur, entre et fais comme chez toi. Je suis Salubra, ici une petite boutique de charme. Est-ce que son village est envoyé ici? Oui. C'est un charmant petit village, n'est-ce pas? Chaleureux, intime et plein de vie.
De quoi parlons-nous déjà? Ah oui, de charme. Je vois que tu as déjà commencé ta propre collection. Pas mal du tout. Je vais t'en montrer quelques-unes à moi. Et tu pourras en prendre un si tu veux. Avez-vous déjà goûté à ce liquide bleu vif qu'on appelle communément sandwich? C'est un sujet un peu tabou ici, mais après l'avoir bu, on se sent... Ah oui, je m'en souviens à quoi ça servait. Ça servait à avoir les œufs bleus, là. Les cocons bleus. Ça servait à avoir des cœurs en plus. Mais des cœurs à usage unique. Et vous attendez de pouvoir voir s'il pourrait être un peu plus long. Plus de portée, c'est intéressant. Si vous le portez, votre minier vous éclate plus facilement. Cependant, si un jour tu apprends un sort, il te faudra vraiment acheter ce charme. J'ai envie de dire qu'il rend les sorts beaucoup plus puissants. Ah ouais? Déjà, celui-là, on va l'acheter. Ah, il y a un succès pour avoir tous les aiguillons. 5 charmes en possession. Alors moi j'en ai 5. Le qui se trouve au milieu est vraiment très joli. N'est-ce pas? Attends. Achète cet emplacement de charme pour pouvoir porter plus de... Ah, c'est des emplacements. Oh, c'est cool ça. Voilà, sauf que tu as 10 charmes en ta possession. Il t'en faut 5 de plus, continue. Ouais, donc voilà. Bah du coup, attrapez-les tous hein. Au revoir madame. Alors ça, on va le garder totalement. Ça pèse des deux troupes d'un moment, donc non. Parce que pour toi, de garder son équilibre pour pouvoir continuer à contre-attaquer. Ok. De toute façon, j'ai qu'une place pour celui-là, donc voilà, à voter. Ah, attends, il y a un chemin derrière, madame. Ouais, donc à condition que je puisse faire quelque chose. Ouais, donc c'est là, oui, le contre-attaque, c'est vraiment si je prends. Tu es un lourdeau, tu mérites mes guillons comme une massue. Est-ce jusqu'où nous devons aller? Hein, quoi? Qui es-tu? Ah, je vois, cet ancien village. Quelle sorte de rêve étrange m'a guidé jusqu'ici. Si tu n'avais pas trouvé, je ne pense pas que j'aurais pu me réveiller. Je suis Sly. Habituellement, je vis une vie monotone à Dirtmouth. L'air dans ces ruines ne me réussit pas. Je serais mieux de me rentrer chez moi. Tu peux venir voir si tu remontes toi aussi. Je suis probablement le visage le plus amical qui reste et je pourrais te remercier convenablement pour ta bonne action. Ah, tu exploses environ? Très courageux. Beaucoup de courageux voyageurs ont perdu la vie face à la petite féroce de sa vieille caverne. Cependant, tu possèdes un aiguillon, et je peux redire rien qu'en te regardant, tu sais comment le manier. Ouais. Ok, donc toi, faut que je revienne au début pour en profiter un peu. Ok. Bon, la zone est pacifiée. Il y a un truc aussi au-dessus. Chose que, évidemment, je n'ai pas pu voir. Attends, c'est un... Non, mais je suis con. Nye. Envole-toi. Violence gratuite. Oh. Une porte avec une fente ouverte. Je peux acheter quelque chose? Ah. Du pognon, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, il faut que je revienne à la map, enfin un truc de map pour que ce soit utile. Pour que je vois ce que c'est, si ça apparaît sur la map, évidemment. Non, c'est bon. Voilà, bah les couilles. Ok. C'est pas pour moi pour l'instant. On va se casser d'ici. Prochain chemin, bah du coup on va descendre. Attends. On va descendre, ok. On peut descendre. Mais normalement il n'y a pas de chemin sur le côté.
rien dit. Là, ça fait bizarre le coup du... Enfin, le sol, il me paraît bizarre des fois. Genre, pourquoi ils ont des telles formes au sol? Est-ce qu'il y a une raison particulière pour ça? Tac tac bang bang. On pad up tout ça. Violence gratuite. Je suis en train de tout détruire sur mon passage. Oh oh. Ok, bon. Bah ça, je crois que c'est un endroit dans mon cul. Alors, pendant que je vais me déplacer, voilà. J'ai deux mains, c'est pas pour rien. L'une c'est pour me servir à boire, et l'autre c'est pour jouer au jeu vidéo. On ferme la bouteille sans utiliser les mains, et tada! Ni vu ni connu, et je peux boire un peu. Bon, ni vu ni connu, à part que la bouteille est tombée, mais ça... Ça c'est... Oh, toto, ça c'est surfait ça. Vas-y, casse-toi. Ah, touc. Donc, ouais, il y avait du chemin vers le bas, mais ça, on va éviter pour l'instant. Il y avait un chemin, il y a des chemins en haut, mais ça, on peut pas trop, parce que soit je suis coincé, soit c'est... Il fait trop noir, hein, sans vouloir être raciste. Du coup, bah, il reste plus que continuer tout droit. Je suis trop gourmand. Bon, après j'ai des âmes à utiliser donc. Donc autant utiliser. Il y avait un truc au-dessus mais je me souviens plus du tout c'était quoi. Bon, ça on continue tout droit. Attends, il y a un truc de source chaude. Alors c'est juste au-dessus de ça. Influence gratuite, j'arrive, je donne un petit coup. Je crois que les sources chaudes ça te remet tes PV à fond. Ou ça te remplit ton âme. Mais en tout cas c'est marrant les sources chaudes parce qu'il y a des visages qui font ah. Pouf. Ouais donc ça c'était l'ascenseur qu'on a vu, ok. Et là, apparemment, il y avait hein, une sorte de tunnel. Et apparemment, il y a un passage par ici. Ok, bon bah je pense qu'avec une capacité en plus. Hein. Ah bah non, mais si je suis con, c'est par ici. C'est juste que vu que j'avais pas le dash avant, bah... Forcément, j'avais pas tout, quoi. Ni. Ok. C'est pas encore pour moi. Oh. Caverne nocive. Et il n'explose pas, ok, ça me va. Ça me va complètement. Putain. Non. Alors vous êtes mort de décès, vous. C'est un banc. Oh. N'essaie pas de te faire tourner, je peux sentir ton odeur. Tu ramasses beaucoup de géos? Donne-moi des géos et tu pourras voir quelque chose de joli. Vas-y.
Eh bien, laisse-moi te montrer, jette un coup d'œil, tu les veux. Si tu les veux? Si tu les veux vraiment beaucoup, j'ai changé pour plus de géos. Oh, cœur fragile, c'est déjà un bas précieux, j'ai fait pour toi. Si tu portes sur toi, tu seras en meilleure santé. Je suppose que t'as un cœur en plus. Ou alors, si tu as peur de mourir, ça ne te sera utile. Ça se trouve, tu garderas tous tes trucs si tu meurs. C'est comme un anneau du sacrifice dans Dark Souls, quoi. Un charme valin. Ok, d'accord, donc plus de pour le farming, ça. Et tes ennemis et tous ceux qui en ont peur de toi. Oh, ça se trouve, je pourrais peut-être faire plus de dégâts. Alors, je te remercie, mais pour l'instant... Attends, bah tiens, est-ce que carte mise à jour? Non, je m'attendais. Je m'attendais à ce que le mec soit... Avant qu'on lui parle, n'était pas un magasin, et maintenant, était devenu un, bah en fait, non. Ok, donc faut que je nettoie. Faut que je récupère un truc pour résister au poison. Alors attends, on va tester un truc. Ok. Je suis un gros dégueulasse, l'eau me fait mal. J'aimerais bien récupérer le. Saloperie, il m'a fait super mal. Au revoir. Non, ils étaient trop mignons, les petits champignons. Par contre, faut que... Oui, bah oui, pas de 4 pour cette zone, évidemment. Tant que j'ai pas croisé le vieux. What? Ces conneries explosent, explosent, explosent. J'ai supprimé moins de dégâts qu'avant. Faut voir l'évolution. Par contre, j'ai pas l'impression qu'ils soient tout à fait morts. Oh merde. Que je peux voir mon copain qui fait des cartes. Nous nous souvenons de l'ancien. Et bah, content pour vous. J'ai failli me prendre un dégât. Oh. Un copain. Ouais, ou plutôt une copine. Ah, les petites pas une petite créature, peut-être une aventurière comme moi. Cherches-tu des endroits dangereux? Eh bien, tu es sur la bonne route. Une bestiole au long cou m'a averti d'une tribu un peu plus bas. Elle m'a dit que ce sont de sortes de guerriers et j'ai vraiment très envie de me battre. Oh, bah oui, c'est là peut-être qu'il y a la reine. Reste vigilante, créature aventureuse, reste en vie pour que nous puissions nous retrouver sur le chemin. J'aurais du chemin à parcourir. Bon, bah, à plus tard. J'avoue que j'ai pensé à un boss. Je le prends pas mal, hein. Oh ! C'est bon, c'est bof. C'est moi, c'est complètement bof. Ouais, aucune carte pour cette zone. Faut que j'arrête de regarder cette carte. Salut. Je ne me cache pas, tu sais. Je faisais juste une petite sieste avant de retourner là-bas. Bientôt, je dois faire face à des bêtes bien plus dangereuses que celle-ci. Alors, je conserverai mes forces. Case et champignons. Ouais, par contre, là, si j'ai pas de carte, ça sert un peu à rien ce que j'ai acheté. Michael Bay. Oula, non, 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 non. Ah,
Alors si je pouvais rencontrer le vieux qui fait des cartes, ça serait génial. Là, je pense pas qu'il y a d'autre chemin. Bah, c'est vrai que du coup, ce côté-là, on l'avait pas vu. Putain. Aïe. Ok. Un de moins. Oula, oula, oh, bouille. Bon bah. Easy. Emplacement de charme en génial. Eh bé. J'en avais pas tant, hein. Mais c'est quand même cool. J'aime pas trop ça. Pas trop ça. Une saloperie, putain de champignon de mes deux. Ding. Ils sont tout mignons les champignons. Je sais pas s'ils avaient prévu ça les mecs, mais c'est quand même fourbe. J'aime ça. Ça va, j'ai mieux géré que je pensais, mais... Mais j'aurais quand même pu mieux le faire, c'est sûr. Ouais, par contre, j'aimerais bien trouver le mec qui vend des cartes. Parce que c'est un peu chiant de préambuler dans le vide sans savoir où on va. Oh. Du pognon. Ah bah tiens, ok, d'accord, j'ai fait un peu le tour. Merde. Oh toutou. Y'a un zblub par ici. Qu'est-ce que c'est que c'est qu'est-ce que c'est que ce zblub? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est la version plus des autres trucs. Moi aussi j'ai une bonne portée, ça n'a aucune méchante là. Ils sont trop mignons ces petites bulles. Merde. Tellement de chemin. Ouh. Merde. J'ai peur pas de me cracher dessus, putain, il est déjà 46 quoi. Et oui, il faut qu'au moins que je trouve de quoi enregistrer, de quoi faire une carte quoi. Station de la reine, à votre gauche. Oh, il y a des trucs ici. Ouh, toto. Aïe. Sortie. Oh. Mais qu'est-ce que tu fais là toi? N'est-ce pas incroyable? Je m'attendais pas à trouver une si grande station de coléoptères avec cette brumeuse descente. Les insectes d'Alonest devraient être grandioses pour avoir réussi à construire de si grandes structures dans ces régions sauvages. Apparemment, les créatures dangereuses des autres régions n'ont pas encore réussi à se frayer un chemin jusqu'ici. C'est un endroit idéal pour prendre un peu de repos. Peux-tu seulement imaginer à quoi devrait ressembler cet endroit lors de son apogée?
des hordes d'insectes voyageant dans le royaume, la sonnerie retentissante des cloches aux coléoptères. La station animée est pleine de vie. Les coléoptères, je pense que ça doit être les moyens de transport. Maintenant, seuls des explorateurs comme nous savent que cet endroit existe. Je suppose que c'est quelque chose de très spécial de pouvoir apprécier de tels sites, même durant leur déclin. Est-ce que l'écho des cloches qu'on entend encore faiblement? T'aurais pas une carte, toi, d'ailleurs, pour le coup, tant que j'y suis. Aucune carte pour cette zone. Oh! Oh, bah cool! Oh, bonjour, mon cher! J'étais sur le point de fermer de partir, mais plus maintenant. Maintenant que je peux vous ouvrir un compte en banque, ça vous intéresse. Perdre des géos, c'est une chose terrible. Et cela a beaucoup plus de chances de se produire si vous les portez sur vous. Mon coffre-fort est beaucoup plus sûr. Je suis banquier depuis de nombreuses années. Et je n'ai jamais perdu un seul géo. Bien con pour vrai, je suis un banquier. Vas-y. Vous êtes un petit futé. La prochaine fois qu'une de ces affreuses bêtes aura le dessus sur vous, vous serez content de savoir que vos géos sont en sécurité dans ma coquille... mon coffre-fort. Faisons donc maintenant une transaction bancaire. Vas-y, on met tout. Est-ce que du coup j'ai des... Allez, au revoir, soyez prudent. Est-ce que du coup j'ai des intérêts? Genre, ça rapporte quoi. Parce que sinon, au pire, tu meurs pas et tu les gardes quoi. S'il y a vraiment pas d'intérêt à part juste, ben quand tu meurs, tu les perds pas. J'ai oublié que ça explosait. Mais au moins, là, je suis pas très loin du prochain de ce que j'avais déjà avant. Putain! Ça fait perdre 2 PV ces conneries. Ah, fait du bien. Esquive. Oh bah. Voilà tous aux copines. C'est pas du jeu ça quand même. Je suis con. Par contre, si je meurs là, je suis un petit peu dans la merde quand même parce que je sais pas du tout où je suis. Ok. Dis-le si tu veux pas que je me défende. Hein. Non. Abrutix. Se régène un petit peu, on en profite tant que le truc est pas encore archi plein. On en profite complètement. S'il vous plaît, il cherche ou ne. Attends, il y a quelqu'un qui parlait. Donc ça se trouve, c'était le vieux. What? Oh putain, ça détruit l'autre grand et du coup je me suis pris le coup. J'avais oublié qu'il y avait un truc noir qui empêchait. De toute façon, j'ai pas assez d'argent pour m'acheter une carte. Donc faut que j'oublie d'aider une carte parce que j'ai pas assez d'argent. Brume Cagne. Oh, je suis revenu à Vers-chemin, cool. Bon, attends, faut que je gagne un peu de pognon, histoire de pouvoir marcher des futures cartes. Ah merde! Yo! Ça passe. Ah! Qu'est-ce qui se passe par ici? Oh! Toi, t'es un boss, toi!
Excuse-moi, je les régène. Ça serait quand même con de mourir face à un truc et de devoir se taper tout un chemin dont je ne sais pas par où je suis passé. Bon, moi là, je vais pouvoir régénérer un petit peu. Allez-y. De toute façon, c'est même pas un boss quoi, parce que la preuve, j'ai pu me barrer sans, en faisant le lâche. Ouais, ça donne pas de pognon, enfin ça donne pas de d'âme ça. Bon, monsieur le gros buisson. Il s'en fout, on est d'accord. Puis il fait mal. Oh, coucou toi. Fais ton pognon. Oula. Du pognon. Est-ce que ça peut être tué ça? On y croit. Ah bah oui, ça peut te tuer. Oh non, par contre. J'ai vu plein de bestioles en sortir. Ok, même pas de succès et tout. Même pas félicitations, vous avez tué une méchante bestiole. Non, non, c'est en mode... Banique-toi. Voilà tout. Au moins, j'ai gagné du pognon. Abruti. Putain mais... Oh, y a un chemin par ici, j'avais pas vu. Oh. Non, c'était juste une illusion d'optique. C'est juste pour revenir. Là, il y a un charme à choper. Non. On va accepter le fait que j'ai réussi à m'en sortir. Du pognon. Nion. Voilà. Oh, il est... Je sais pas qui a fait ce bruit-là, mais... Ok, donc une fois que j'ai frappé, je peux réutiliser le saut. Ah bah attends, il y a un petit Billy. Ah oui, boulou boulou boulou. Oh, fais chier. Ce n'est pas du tout chiant, ni même stressant. Je crois que je peux passer. Non, je peux pas passer. Ah. Voilà, c'est ici que je peux passer en mode fourbe. Enfin fourbe, en mode rapide plutôt. Le royaume du pognon. J'avais pas vu le décor de ce jeu. Un peu de fourbe des fois. Oh. Nyeh. Merde. Non. Abruti, je suis mort de décès.
Bon bah je pense que j'ai récupéré ma merde. Et revenir ici. Juste pour enregistrer en fait. Bon au moins j'ai un petit peu avancé. J'ai pas avancé dans l'histoire principale j'imagine. J'imagine totalement que j'ai pas avancé dans l'histoire principale. Mais au moins j'ai un petit peu avancé. J'ai récupéré des trucs à droite à gauche. J'ai découvert de nouvelles boutiques. Et j'ai aussi de quoi bah... De quoi voir ma map en fait. Et ça c'est quand même pas mal. On va pas se les cacher. Ah merci. Donc maintenant. Putain mais. Ah, il est vraiment temps que faut que je m'arrête là avant de remourir comme un caca. Je crois que c'est ma troisième mort depuis le début du jeu. On peut mieux faire. On peut faire plus de morts. Il y a un chemin qui peut être sympathique. Ouais, avant de... Non, ah, ça suffit hein, les conneries. Hein. Putain mais... Ah, fait du bien. Je sais pas si ça valait le coup de faire tout ça, mais ça fait du bien. De pouvoir se régénérer un petit peu. Ok, bon. Eh ben, j'aurais quand même pas des masses avancées sur ce jeu-là. Mais au moins, j'aurais avancé dans Hearthstone. Genre, j'aurais pu faire tester sur Hearthstone et au moins faire une run complète. Avec un perso, je pensais pas du tout que j'allais réussir, mais au final, si. Alors, tac, tant, tac. Les charmes. Du coup, j'ai un truc qui est libre. Non, ça, je l'ai déjà, justement. Je peux prendre un charme à 2. Avec plus longue distance. Attends, tac. Non, comment on fait? Contre-attaquer direct, c'est sympathique, mais si je peux attaquer avec plus longue distance, ça peut m'arranger aussi. On sauvegarde. Alors, tac. Esprit vengeur, invoque un esprit qui dit ouais, donc ça, c'est le pouvoir. Pas mal son porteur d'effet de bruits dans les airs. Carte et plume, blason de l'Arvel. Alors, du coup, il y a en face. En fait, on remonte et on va en face et on pourra explorer. En bas, je suis pas sûr. Non, normalement, je peux pas encore y accéder. Me semble pas. De ce côté-là, je m'en souviens pas avoir essayé. Donc, on peut explorer le petit truc. Pas celui qui descend vers le bas, mais attendez. Tac. Non, j'ai pas ma souris. Celui qui se trouve au milieu, là. Tac, passe du roi, ça, on s'en fout. Le reste, ça, il faut avoir de quoi débloquer un ascenseur. J'ai pas fait le truc tout en bas, en fait. À moins qu'il soit bloqué. En tout cas, je pense que le prochain truc qu'on peut faire, c'est explorer, continuer à explorer sur le côté. Parce que... Ou alors au-dessus aussi. En tout cas, la suite du jeu, je pense que ça va être de ce côté-là. Mouche vengeresse royale. Mercruse. Portant sa couvée en son ventre, attaquant en projetant son œil encore sur ses poings. C'est sympa comme bestiole quand même. Tac, carcasse guerrière. Par une force étrange. Ils sont possédés. Un verre rendu fou par une force étrange. Tac. Moussu, mange l'host. Embouisseur mourut, une créature timide a fait les intuitions sur mon élan mousse. Une famille de créatures, elles ont appris à renforcer leur corps et ne faire qu'un avec la mousse. Ils ne font qu'un avec la mousse. Il est vrai que la force réside dans le nombre, mais ces créatures n'ont jamais vraiment possédé beaucoup de force. Bon, sur ce, on va s'arrêter là. Donc, prochain live, là on est jeudi, donc ce sera dimanche après-midi. On continuera du coup Hollow Knight et on fera rien d'autre cette fois-ci. On fera vraiment 3 heures de Hollow Knight. Et puis voilà, c'est tout en fait. Et sur ce, je vous souhaite bon week-end déjà, parce qu'un petit week-end de 4 jours ça fait zizir pour ceux qui travaillent. Et
Et une confirmation par Dame Nema juste à côté de moi. Et des bisous, allez. A plus, tout ça, les gens.